Bonjour à tous. Mon invité cette semaine est Pierre-René Lemas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la Caisse des dépôts, une énorme institution financière publique dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, notamment à l'occasion de rapports de la Cour des comptes et notamment d'un rapport de la Cour des comptes sur l'État actionnaire qui ne mettait pas spécifiquement en cause la Caisse des dépôts, mais qui disait l'État actionnaire, via l'État lui-même ou via la Caisse des dépôts, est beaucoup trop étendu. Prend beaucoup trop de place dans l'économie française. Est-ce que c'est le cas, à votre avis, de la Caisse des dépôts? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une place de la Caisse des dépôts qui est trop importante dans l'économie française? L'État actionnaire, c'est un rapport qui est un rapport de la Cour des comptes que je trouve très juste dans son analyse. Moins d'ailleurs parce que la Cour des comptes dit que l'État est trop présent dans l'économie, parce qu'il dit que l'État n'est pas toujours très cohérent. Dans le temps, dans la gestion de ses participations publiques. Et je pense que ça, c'est assez juste. Alors, la Caisse des dépôts, ce n'est pas tout à fait l'État, puisque c'est l'institution publique qui dépend du Parlement. Mais c'est vrai que la Caisse des dépôts, au fur et à mesure du temps, elle-même a beaucoup de participation dans les entreprises. Et oui, d'une certaine manière, c'est trop. C'est-à-dire qu'il est important que la Caisse des dépôts soit d'abord centrée sur son cœur de métier, qu'elle soit centrée sur ses filiales, qui doivent devenir un groupe. C'est ça mon objectif, que ce soit un groupe. Et puis que un certain nombre de participations qui ne correspondent pas à son cœur de métier puissent être envoyées au marché. Alors, quelle participation plutôt... justement? Parce que les directeurs généraux de la Caisse des dépôts qui ont dit « je vais rectifier les frontières, céder ce qui ne doit plus appartenir au champ de l'institution publique », il y en a eu beaucoup et finalement, il y a des grandes participations qui sont toujours là. Est-ce que la Caisse des dépôts doit être un opérateur de transport collectif via Transdev? Est-ce que ça doit être un assureur via la CNP? Est-ce que ça doit être présent dans l'immobilier via ICAD? On a énormément comme ça de participations dont on se demande si vraiment elles ont leur justification dans le périmètre de la Caisse des dépôts. Moi, je pense que oui pour une part. C'est-à-dire que tout ce qui a un lien avec l'intérêt général, il est légitime que ce soit actuellement au sein de la Caisse des dépôts. Parce que, au fond, un des rôles de la Caisse des dépôts, qui après tout est une maison qui n'a aucune subvention publique, aucun actionnaire public, joue son rôle d'acteur de l'économie. Donc oui, dans un certain nombre de secteurs qui ont à voir avec l'intérêt général. Le transport, c'est des métiers en lien avec les collectivités locales. Le logement, personne ne peut contester qu'on a besoin d'un outil public sur le logement. L'ingénierie publique, c'est essentiellement pour les acteurs locaux. Et en plus, c'est un marché formidable à l'international. Je pourrais démultiplier les exemples. Donc de ce point de vue-là, oui. En revanche, tout ce qui va au-delà, tout ce qui serait des participations dans des domaines sur lesquels on peut se demander si c'est encore pertinent, la réponse est non. Est-ce que vous avez fait des cessions cette année? Moi, j'ai fait l'équivalent de 1,3 milliard de cessions. Si je voulais vous dire les choses en souriant, moi, je n'ai pas annoncé que j'allais céder. J'ai dit que j'allais réfléchir à ce qu'on appelle la respiration. Donc, je ne l'ai pas trop claironné, mais je l'ai fait. Et donc, par exemple, nous avons cédé au marché Bellambra, qui est l'héritier des anciens VVF, VVT. Nous avons cédé au marché de participation dans la Sanef. Qu'est-ce que la Caisse des dépôts avait encore à faire dans le monde des autoroutes? On peut contester, il y a 10 ans, la privatisation, peut-être. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la Caisse des dépôts avait à faire dans les autoroutes? Est-ce qu'on doit continuer dans cette direction-là? Ma réponse est oui. Et progressivement, je pense qu'il y a un certain nombre de participations non stratégiques de la Caisse des dépôts, dont la Caisse des dépôts doit progressivement se défaire. Pourquoi? Parce que la Caisse des dépôts n'a pas à se substituer au marché. Elle doit gérer son domaine d'intérêt général dans un contexte concurrentiel. Mais tout ce sur quoi, au fond, l'apport d'argent public n'est pas justifié en soi, je crois que c'est le marché qui est le mieux placé pour le faire. Voilà. Est-ce que l'investissement que la Caisse des dépôts peut faire comme actionnaire ne se fait pas au détriment d'autres types d'investissements qu'elle peut faire et qui sont peut-être plus son cœur de métier? Je pense en particulier au financement des collectivités locales et des infrastructures sur le territoire. Ça, finalement, c'était vraiment la mission première de la Caisse des dépôts. On sait qu'on est rentré dans un monde où les collectivités locales vont recevoir et reçoivent de moins en moins de dotations, de moins en moins de subventions. Est-ce que là, la Caisse des dépôts, elle n'a pas un rôle beaucoup plus important à jouer? Ah, ça, je partage entièrement votre avis. D'ailleurs, je plaide pour que la Caisse des dépôts continue à pouvoir contribuer au financement des collectivités locales. Vous savez que le président de la République a annoncé une enveloppe de 20 milliards d'euros de prêts en faveur des collectivités locales. Je plaide pour qu'elle soit pérennisée jusqu'au moins 2020. Et 20 milliards d'euros 2020, c'est un bon chiffre. Donc oui, la réponse à votre question est oui. De la même manière, il faut que la Caisse des dépôts continue à financer l'investissement des collectivités locales. On est passé de l'ordre de 200 millions de financements par an pour les collectivités locales à 700 millions. Donc ça fera 3-4 milliards dans les années qui viennent. Donc oui, c'est la bonne direction. Puis vous savez, et là je partage votre avis, les collectivités locales sont un univers en plein
changement. Moi, j'appelle ça la transition territoriale, la montée des agglomérations, la montée des régions. On sait qu'il y aura de moins en moins de subventions de l'État. C'est comme ça. On peut en débattre, mais on sait que c'est comme ça. On sait en même temps qu'il y a une abondance de liquidités sur les marchés. Une abondance de liquidités sur les marchés, liées notamment à la politique de la Banque Centrale Européenne. Comment brancher les bons tuyaux pour permettre aux collectivités locales d'assurer le financement des investissements, d'assurer le financement des infrastructures, d'assurer le financement aussi de tout ce qui est utile à la création d'emplois, à la création d'activités économiques. Ça, c'est l'objectif de la Caisse. On a avancé dans cette direction-là, pas mal quand même, 20 milliards, 700 millions par an. La BPI travaille beaucoup. Je crois qu'elle le fait plutôt bien. Dont je rappelle que la Caisse des dépôts détient 50%. Voilà, on détient 50%. Le paysage. C'est un peu notre paysage. C'est une de nos principales filiales avec CNP Assurance. Et je pense qu'il faut aller au-delà et réfléchir à la meilleure manière, dans les temps qui viennent, d'articuler les financements de nature publique, qui sont parfois un peu dispersés, au bénéfice des collectivités locales qui vont en avoir de plus en plus besoin. Là, objectivement, on est en plein dans le problème assez classique de manque de coordination et de dispersion des efforts de la part d'entités publiques qui sont absolument nombreuses. Vous avez parlé de BPI France, de la Caisse des dépôts, on pourrait citer la Banque Postale, la SUIL qui a un nouvel outil de financement des collectivités locales qui avait été créé après la crise de 2008. Je ne parle pas de tout ce qui se fait au niveau européen, la BEI, le plan Juncker et enfin le plan des investissements d'avenir qu'on appelait le grand emprunt à l'époque. Enfin bon, on a une multiplicité d'outils dont on se demande si leur existence n'est pas auto-justifiée plutôt que le fruit d'une vraie politique publique cohérente. Je suis d'accord avec vous, et c'est d'ailleurs un des objectifs qu'il faut se fixer sur les 2-3 ans qui viennent, c'est d'arriver à une remise en cohérence de l'ensemble de ces outils publics. Vous voyez, ils ont un point commun, tous ces outils publics, c'est qu'ils sont tous financés par la Caisse des dépôts. D'une manière ou d'une autre, ils sont financés par la Caisse des dépôts. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, ils sont financés par l'épargne des Français, par le livret A, et par la Caisse des dépôts elle-même. Donc, en effet, ça fait beaucoup d'outils qui ont besoin, me semble-t-il, d'être mis en cohérence. Alors, autre chose sont les outils européens. Je pense que sur les outils européens, la France tire pas mal son épingle du jeu. On est les deuxièmes bénéficiaires du plan Juncker, personne ne l'a vu, c'est pas mal. Je pense qu'on a aussi à apprendre de ce que font nos homologues en Allemagne et en Italie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait un club entre la KfW, la Caisse des dépôts allemande, la Casa di Depositi, la Caisse des dépôts italienne et nous, parce qu'on a à apprendre des choses, on a à imaginer. L'Italie et l'Allemagne sont deux pays, historiquement, pour plein de raisons historiques diverses, très décentralisés. Nous, on est un pays qui commence à être décentralisé. Je pense qu'on a des choses à faire. Et que là, il y a un objectif majeur, possible, qui est un des avenirs de la Caisse des dépôts. C'est pour ça que je parle souvent de la Caisse des dépôts des territoires. D'accord. Plus de cohérence dans les 2 ou 3 ans qui viennent, vous disiez, ça veut dire que vous enjambez l'élection présidentielle, qui n'est pas neutre pour la Caisse des dépôts, forcément, comme institution publique, ni pour vous-même, puisqu'une des questions qui se pose, c'est de savoir si vous pourrez aller au bout de votre mandat de directeur général de la Caisse des dépôts, sachant, c'est technique, que vous serez à la retraite en 2017, après l'élection présidentielle. Est-ce que vous souhaitez poursuivre et terminer votre mandat à la Caisse des dépôts ? Ma réponse est oui, je souhaite poursuivre et achever mon mandat à la Caisse des dépôts. Ça fera un vieux directeur à la tête d'une vieille institution. Mais les deux étant pleins de dynamisme, si ça ne tenait qu'à moi, ma réponse est oui. Pour le reste, je me plierai à la décision des pouvoirs publics. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Pierre-René Lemas. Merci. Très bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Merci.